Bonjour à tous, je suis ravi d'apprendre que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos, à liker ou encore à poser vos questions en commentaire, et ce qui nous permet de croire qu'on ne fait pas tout ça pour rien, et cela nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va continuer avec une présentation de matériel. Je vais vous parler d'un outil que l'on va utiliser dans les grandes voies et aussi pour le travail d'ouverture. On va parler d'un porte-matériel de la marque Singing Rock. Alors, ce porte-matériel, il est conditionné dans un sac de transport comme celui-ci, mousquetonnable, ce qui va être plutôt pratique pour diminuer son encombrement lors du transport ou encore lors de l'évolution sur une paroi. Donc voilà, c'est très simple, il vous suffit de tirer sur le cordon de serrage et de le faire glisser hors du sac. Ensuite, on va voir. Il est très simple de mise en place et d'utilisation. Donc il s'agit là d'un harnais de poitrine pour vous ajouter sécurité et confort à votre harnais traditionnel. On peut voir à l'intérieur, au niveau du croisement des sangles dorsales, un rembourrage en mousse avec du textile micro-perforé pour vous garantir de la respirabilité lors de vos efforts. Très simple d'utilisation, il vous permettra de gagner du temps. Il est surtout facile à habiller, même une fois chargé de matériel. Attention, je tiens à être précis là-dessus, un harnais de poitrine ne s'utilise pas seul, il vient forcément se coupler à un harnais traditionnel. Moi, pour ma part, je viens le connecter avec un maillon rapide au niveau des deux anneaux rouges, bien explicites pour l'accroche. Question équipement, on peut voir deux boucles ajustables et amovibles de chaque côté qui peuvent supporter jusqu'à 15 kg. Ce sont là les grandes boucles. Mais on a aussi deux petites boucles classiques qui supportent elles jusqu'à 5 kg chacune. Et également une boucle porte-matériel au niveau de l'épaule gauche qui supporte elle aussi jusqu'à 5 kg. Pour ma part, je m'en sers pour accrocher mon couteau en cas d'urgence. Au niveau de la grande boucle, vous pouvez voir qu'il est très simple de sélectionner du matériel pour le positionner à l'arrière, tout simplement pour ne plus qu'il vous gêne, ou pour venir choisir du matériel différent. Au niveau de la petite boucle, en revanche, il vous sera impossible de bouger le matériel, mais il vous sera très pratique de le prendre car il est à portée de main. Il n'est pas rare que l'on utilise ce porte-matériel pour l'ouverture de voies ou pour les rééquipements de voies obsolètes. Comme vous pouvez le constater, là encore une fois, il est très pratique d'utilisation, surtout grâce à sa capacité de charge qui va vous permettre d'amener tout le matériel dont vous aurez besoin pour vos travaux, mais ce qui vous permettra aussi d'avoir une répartition de charge qui ne sera pas centrée sur votre harnais bas. Évidemment, pour s'adapter à tout type de personnes, il est réglable grâce à ces deux boucles avant et aussi au niveau du croisement des sangles dorsales pour vous permettre de gérer les sangles basses et les sangles hautes. Encore une fois, je me répète, ce harnais ne doit pas être utilisé seul. Il doit être couplé à un harnais assis traditionnel et dans ce cas-là, il vous sera très utile pour les longues suspensions ou pour les chutes violentes. Pour notre part, on s'en sert surtout pour les grandes voies, pour porter du matériel lourd sur les longues distances ou encore, comme je vous l'ai dit, pour les travaux en hauteur. Dernier point important, en plus de son encombrement minime, ce harnais vous permettra de porter du matériel jusqu'à 45 kg pour seulement 435 grammes. En ce qui concerne ce porte-matériel, nous n'avons pas eu de partenariat. En revanche, il vous sera très simple d'en trouver un du même style chez notre partenaire EcoSport ou encore chez Choulanka. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre présentation de matériel. Et avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications et surtout, likez la vidéo. Je vous remercie.